بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه حبيبه صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Je pense que vous m'entendez bien comme cela. Il n'y a pas de difficulté au niveau du son. C'est comme si le micro, effectivement. Alors, il faut. Oui, il faut être, voilà, il faut l'approcher un petit peu, c'est tout. Il ne faut pas l'avaler. Il faut. Alors, les priorités, en fait, au niveau de notre engagement islamique, au niveau de notre formation, voilà le sujet qui m'a été proposé par nos frères et par nos sœurs. Et donc, euh, j'ai déjà traité ce sujet à plusieurs reprises. Je vais reprendre trois axes qui me semblent fondamentaux dans l'engagement islamique. Le premier de ces axes est celui de la spiritualité. Donc si maintenant on se pose la question entre nous, qu'est-ce qui est fondamental dans l'engagement islamique Et on réfléchit, on pourrait faire un tour de table et se poser des questions entre nous pour essayer de dégager des choses fondamentales. Ce qui m'est apparu, c'est que c'est d'abord la spiritualité. C'est-à-dire que pour tout musulman, musulmane, le plus important, c'est d'être au clair sur son lien avec Dieu, sur la connaissance de Dieu. Allah nous dit dans le Coran, ⁇ Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc Dieu nous a créés pour son adoration, pour qu'ils me connaissent. Et donc le but, c'est vraiment, en fait, de cette existence, c'est vraiment de nous rapprocher de Dieu, d'apprendre à connaître Allah subhanahu. Et donc, euh, cette connaissance, elle se fait par, en fait, euh, une approche du divin qui est liée à ce que l'on appelle le dhikr, le rappel. Voilà, dhikrullahi akbar et le rappel de, de Dieu est plus grand. La plus grande, la plus importante des actions de l'être humain, c'est en fait le zikr. le fait de vivre dans l'évocation de Dieu, dans la mention de Dieu, dans le fait d'être liées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette pratique du zikr, elle se fait notamment à travers ce que nous pouvons retirer euh, de la tradition prophétique en tant que telle. Il y a quelque temps, j'avais traduit euh, le texte de l'imam Hassan el-Banna sur euh, el-Ma'furat. El-Ma'furat, c'est un traité qu'il a composé dans lequel on nous parle de l'importance de l'évocation, l'invocation, avec la récitation régulière du Coran, et puis le fait de pratiquer cela le matin, le soir, de pratiquer ces évocations que l'on dit à toute occasion et d'être ainsi relié à notre Créateur. Si aujourd'hui, maintenant, à l'instant, il y avait une panne de courant, eh bien, on n'aurait plus de lumière, je ne pourrais plus vous parler avec ce micro, alors il serait absurde de se dire qu'il faut réparer le micro, qu'il faut changer les néons, etc., etc. Non, il faut simplement rétablir le courant. Si aujourd'hui, nous avons des difficultés au niveau des individus dans la communauté, et dans la communauté en tant que telle, c'est simplement parce que le courant ne passe pas. Et ce courant pour nous, pour chacun d'entre nous, c'est le zikr. C'est le fait d'être lié à notre Créateur. et Certes, c'est dans le rappel de Dieu, que les cœurs se tranquillisent. Cela signifie que il faut vraiment considérer que c'est là l'axe fondamental qui nous lie à notre créateur Subhanahu wa Ta'ala. J'ai avec moi constamment El Ma'thurat, un petit livret, et j'essaie quand je suis en voyage, mais même lorsque je suis chez moi, le matin et le soir, de lire El Azkar et de ne jamais laisser cette pratique. Donc voilà la priorité des priorités. Il y a un hadith qui vous dit, le Coran vous dit, ou la akbar. Et le rappel de Dieu est plus grand. Donc, ça, c'est le Coran. Et bon, on a interprété cette parole de diverses façons, mais l'essentiel, c'est qu'elle exprime clairement que nous sommes la communauté du vikr. Et puis, vous avez dans le hadith le fait qu'il nous est rapporté que le vikr est plus méritoire, que le fait, par exemple, de combattre dans la voie de Dieu pour défendre la vérité et d'être tué. Qu'il a plus de valeur que le fait d'avoir de l'or et de l'argent et d'en faire aumône. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar. Être lié à notre Créateur, c'est la source de, du bien et c'est vraiment l'essentiel de la vie spirituelle d'un croyant. La spiritualité, elle a un axe par rapport au Créateur, dans le dhikr, dans l'adoration, la prière. Quand on parle, bien entendu, du zikr, on parle aussi de la prière, parce que « wa akimu salata li zikri » et accompli la prière à mon rappel ou pour te rappeler, pour te souvenir, les deux interprétations sont possibles, et cela signifie que la prière n'a été instituée que pour nous permettre de pratiquer le zikr, ce qui est le plus important. Donc cela signifie que je vais déjà, dans ma vie, avoir, si vous voulez, euh, la pratique du Vic le matin, le soir, également j'aurai la pratique de la lecture du Coran, chaque jour je vais lire une partie du Coran, la pratique de la prière cinq fois par jour, vous allez voir que je vais meubler ma vie d'une autre façon, par un lien qui est constant avec le Créateur. Et cette prière que j'accomplis cinq fois par jour, ce n'est pas une parenthèse dans ma vie active, c'est l'essentiel et le reste est une parenthèse par rapport à l'adoration d'Allah. C'est le contraire de ce que nous faisons. Pour beaucoup d'entre nous, on est préoccupé jour et nuit par les choses de la vie. Puis on se dit, ah, j'ai ma prière à accomplir, et on la réalise d'une certaine façon pour avoir fait notre prière, pour ceux qui pratiquent, puis on passe à quelque chose qui nous semble plus important. C'est le contraire qui doit être vrai dans l'islam. La mosquée, elle est au cœur de la cité. Et on va à des activités diverses, mais on revient à la mosquée pour prier pour se purifier, elle est le centre de tout. Donc euh, il faut remettre la spiritualité au centre de nos vies. Le deuxième élément, c'est horizontalement qu'il se conçoit dans la spiritualité, c'est la fraternité. C'est-à-dire qu'il faut envisager que dans notre conception de l'islam, on n'est pas simplement dans un rapport à Dieu qui va nous écarter de la communauté, mais un rapport à Dieu qui va unir les croyants autour d'une même foi. Et cette communauté, ce n'est pas un choix. Cette union n'est pas un choix. Allah nous dit dans le Coran, et tenez-vous tous au lien de Dieu et ne vous divisez pas. Cette parole comprend un ordre, l'obligation d'être unis et une interdiction, l'interdiction justement d'être divisé. L'union en islam n'est pas un choix, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Les musulmans doivent comprendre qu'ils doivent être unis, qu'ils doivent s'unir, qu'ils doivent vraiment réaliser cette union. Ce n'est pas un choix. Je ne peux pas en Islam me disputer avec quelqu'un et puis le laisser au-delà de trois jours et continuer ainsi dans la division. Je ne peux pas au niveau de cette communauté considérer, parce que d'autres envisagent le travail islamique d'une façon qui ne correspond pas à ma façon de voir, nous sommes divisés. Non, on peut très très bien accueillir au sein de cette communauté une diversité de points de vue, de façons de travailler en étant complémentaires. Mais le message essentiel de l'islam, c'est un message d'amour, de fraternité. Et si je perds de vue cela, si je mets les moyens avant les fins, si j'oublie que les deux choses importantes, c'est de glorifier Dieu, l'unicité, et d'être unis entre nous. Et qu'au lieu de tendre vers cela, je fais passer euh, mes objectifs avant euh, l'amour que je dois à mes frères et à mes sœurs en Islam, eh bien je me trompe. Un frère, une sœur, ce n'est jamais un moyen de faire les choses pour réaliser telle et telle activité. C'est en fait une fin. L'activité est là pour renforcer ces liens de fraternité en tant que tels. Et donc euh, il faut aller toujours dans le sens de cette union. Le deuxième point concernant les priorités, c'est celui de la formation. Et la formation, elle suppose une saine compréhension de l'islam. Cela signifie que je dois, en fait, comprendre l'islam tel qu'il est en réalité. Et il est important que les musulmans aient cette vision qui soit claire de l'islam. On ne veut pas d'un islam qui est morcelé, un islam dont on prend certains aspects pour en rejeter d'autres même Hassan al-Banna, dans l'un de ses principes qu'il avait donné, disait en substance L'islam est une organisation complète qui englobe tous les aspects de la vie. C'est à la fois un État et une nation, ou encore un gouvernement et une communauté. C'est également une morale et une force, ou encore le pardon et la justice. C'est également une culture et une juridiction, ou encore une science et une magistrature. C'est également une matière et une ressource, ou encore un gain et une richesse. C'est également une lutte dans la voie de Dieu, un appel, ou encore une armée, une pensée. C'est enfin une croyance sincère et une saine adoration. L'islam, c'est tout cela de la même façon. Donc vous observez qu'il a mis les choses qui sont en règle générale les plus importantes, c'est-à-dire la croyance sincère et la saine adoration vers la fin, alors que c'est le plus important dans cette pensée. Et qu'il a fait passer tous les autres aspects de la vie. L'islam touche tous les domaines de la vie en tant que tel. Une dimension politique, économique, culturelle, culturelle et sociale. Tous les domaines sont concernés. Et, et il faut saisir, avoir une idée de l'islam qui englobe tous ces aspects. Également, il faut avoir une conception de l'islam qui définit l'islam par un retour aux sources, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Lorsque Aujourd'hui, on essaie de déterminer ce qu'est la position de l'islam, officiellement, si vous voulez, sur une question donnée. On n'a pas à interpréter les choses au-delà de ce que la révélation dit clairement. On a deux sources, le Coran et la Sunna. Et il y a une priorité pour déterminer ce que dit l'islam à revenir à ces sources, le Coran et la Sunna. Exemple, la question du voile pour les femmes. Certains ont prétendu que ce n'est pas une obligation inscrites dans les textes, et ils se sont trompés. Dans deux passages du Coran, il y a l'obligation pour la femme de porter le voile. Dans la tradition, dans les, la sunna, est indiquée l'obligation de porter le voile. Et donc cela fait partie des règles de l'islam. Et pour cette raison, quand on va discuter de ce point-là, il faut revenir aux sources, et il faut interroger nos sources, parce qu'on voudrait, là aussi, comme... On cherche à faire en sorte que l'islam soit morcelé, qu'on prenne une partie, qu'on devienne une sorte de religion qui s'inscrit dans une sphère complètement privée et qui n'a plus d'impact sur la vie sociale. On voudrait également nous écarter de nos sources, faire de l'islam une religion sans référence scripturaire pour progressivement bon, suivre le chemin de ceux qui nous ont précédés dans d'autres communautés qui finalement ont délaissé complètement les enseignements de la révélation et se sont orientés dans d'autres voies. On veut nous faire suivre ses voies, et là, il y a une priorité, c'est de nous tenir fermement au lien de Dieu. On a dit wa wa Observez que dans ce passage coranique, il est dit Tenez-vous tous au lien de Dieu. Quel est ce lien Les commentateurs nous disent que le lien, c'est en fait le pacte que nous avons avec Dieu, c'est le lien de foi, dans le sens de digne de la religion. Nous avons un engagement vis-à-vis -vis de Dieu, il faut tous nous y tenir. Et d'autres ont expliqué que l'habl, la corde ici, signifie le Coran, puisque dans la tradition authentique, il est question de hablullah ou hablullah il matin. Le Coran, c'est le lien ferme de Dieu. Donc, c'est comme si on était tous invités ensemble à nous tenir au Coran ensemble, et de cette façon, réaliser notre union, parce que c'est ce Coran qui est entre nous et qui est justement qui nous permet de le réaliser. Il y a un hadith d'ailleurs qui est intéressant, dans lequel notre prophète nous a dit, Dieu vient en aide au serviteur dans la mesure où il vient en aide à son frère. Et celui qui emprunte un chemin vers le savoir, un chemin à en quête de connaissance, Dieu lui facilite une voie vers le paradis. Pourquoi Parce que quand je connais, je sais, eh bien je peux distinguer le bien du mal, je peux suivre la voie qui me conduit au paradis. Et puis, il est dit,

Qui ne soit couvert par la miséricorde, que les anges ne les entourent et que Dieu ne les mentionne à ceux qui sont auprès de lui. Donc ce hadith vous montre que dans un premier temps, le prophète alayhi wa sallam, nous explique qu'il faut conserver des liens de fraternité, venir, venir en aide à nos frères mais, et rester donc unis, être une, vraiment une communauté unie. Mais il nous donne également le mode d'emploi. Comment le faire Comment faire la chose Il faut se retrouver. Les uns et les autres autour du Coran. Nous tenir tous à ce lien, c'est la plus forte manifestation de notre union. La traduction de cela, ça veut dire qu'il faut avoir au moins une fois par semaine un cercle dans lequel, avec un groupe de frères, je me retrouve, on va lire des versets du Coran qu'on va expliquer, on va apprendre à lire correctement avec état tajouides, les règles de lecture, on va Apprendre par cœur, quand on a la possibilité de le faire, c'est bon de suivre cette voie-là et avoir un lien nouveau avec le livre de Dieu qui fait qu'il va être au centre de notre vie. Voilà une priorité parmi beaucoup d'autres, c'est de mettre le livre d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala, au centre de nos vies, pour apprendre à le réciter, pour assimiler ses versets et surtout, surtout, pour le méditer, pour réfléchir. Parce que c'est la nourriture du cœur. Nos corps ont besoin de nourriture et si quelqu'un ne peut pas absorber de la nourriture, il finit par s'affaiblir. Et nos âmes ont besoin de cette lumière, de cette révélation. Et si elles ne reçoivent pas cette révélation, eh bien, elles finissent par se flétrir. Ce qui signifie en clair que nous devons être liés au Coran de façon euh, évidente. Il y a un hadith dans lequel notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, compare le Coran et la révélation, ce qu'il a apporté les enseignements qu'il nous a apportés, donc dans le coran et dans la sunna à une pluie qui tombe du ciel et il y a des terrains qui sont fertiles ils reçoivent l'eau ils donnent de la végétation ils profitent de cette pluie et ils laissent les autres profiter également de ce qui est produit ainsi puis une deuxième catégorie de gens qui reçoivent cette eau qui sont comme des bassins et ils retiennent l'eau alors les gens viennent puiser cette eau profitent mais eux-mêmes qui reçoivent cette eau ne donnent pas de culture. Ce sont ceux qui reçoivent ces commandements, ces enseignements, les transmettent, mais ne les mettent pas en pratique eux-mêmes. Et puis il y a une troisième catégorie qui est celle de ceux qui restent incultes. C'est un désert, ça reste un désert, ils ne reçoivent pas l'eau. Et donc chacun d'entre nous doit se dire, cette image, elle est intéressante, parce qu'elle me montre une chose. D'abord, une graine ne peut pas pousser toute seule. Il lui faut... L'eau et l'eau c'est le symbole ici de la révélation et donc autant je reçois cette révélation autant je vais grandir spirituellement dans le savoir autant je m'écarte de cette révélation autant je vais rester un terrain un culte et donc il faut se déterminer à quelle catégorie est-ce que j'appartiens en tant que tel donc au niveau de la formation, c'est de nous retrouver autour, autour de trois axes, comme le dit très bien Ibn Hajar el-Asqalani, les axes de la connaissance en islam, c'est le Coran et c'est la Sunna. Et quand on dit la Sunna du prophète, c'est une partie de la révélation. El-Wahy en islam comprend deux aspects, le Coran révélé, mais aussi ce que le prophète a dit, son exemple qui est en fait, des paroles qui lui sont qui sont inspirées qui sont différentes du Coran mais qui font partie de la révélation en tant que telle. Donc il y a le Coran, il y a la Sunna et puis il y a troisième axe, le troisième axe c'est le Firk, c'est-à-dire la jurisprudence, le droit islamique. La jurisprudence, le Firk, c'est par exemple euh, au niveau de, des œuvres cultuelles comment faire ses ablutions, euh, connaître les règles, comment faire la prière, qu'est-ce qu'elles sont arqam salah les piliers de la prière un musulman doit connaître ces choses-là et doit se former au niveau du fiqh. la connaissance en islam elle dépasse aussi ces trois axes quand je m'intéresse à une période d'histoire et quand j'étudie les textes de la pensée islamique cela fait partie de la connaissance il faut avoir une saine compréhension de l'islam en tant que tel. donc deuxième priorité c'est le savoir avec une saine compréhension de l'islam, la globalité, le retour aux sources, le Coran, la sauna et le Fiqh, et prévoir un programme de formation pour chacun d'entre nous qui nous permettent de progresser à ce niveau. Enfin, il y a un troisième niveau qui est celui de l'engagement. Et une priorité, c'est de diffuser le message de l'islam. Une fois qu'on l'a compris les uns les autres, qu'on a compris que Là est notre bien dans le dhikr, dans le savoir et l'engagement qui consiste à appeler les autres musulmans à se rallier à nous, à être avec nous, à comprendre l'islam dans cette pureté et à vivre l'islam de cette façon-là. Ceci par rapport aux autres musulmans. Et là, il faut observer, il faut être lucide effectivement, c'est qu'on est dans une communauté qui est morcelée. On est dans une communauté, dans le paysage européen comme ailleurs, qui comprend des tendances, des musulmans qui ne s'entendent pas, qui ont des façons différentes de travailler. Et il faut répondre à cela par une façon de concevoir notre engagement qui doit être claire. En ce qui me concerne, très souvent, je donne cette approche en disant il y a trois niveaux d'engagement. Il y a un niveau qui est général, qui est. Toute la communauté qui va agir ensemble. Quand on fait le Eid, la fête, ou bien quand on est dans le Jomra le vendredi, ou quand on fait une manifestation quelconque, on peut se regrouper entre nous en tant que communauté. Cela, ça fait partie de notre existence et de notre vie. Et là, le musulman se doit de se rappeler la règle que nous avons énoncée à partir du verset de tout à l'heure. On doit rester uni. Tout musulman quel qu'il soit, eh bien, c'est mon frère ma sœur, et donc par conséquent, je dois tisser un lien de fraternité, d'amour et de miséricorde entre nous. Puis un deuxième degré, c'est celui de l'engagement dans la région où je me trouve. Il y a une association comme celle qui nous invite aujourd'hui, la plume Chartres, c'est ça Et donc cette association, Jazakoumou euh, Maoheiran, fait un travail sur le terrain. Il y en a d'autres. Et qu'est-ce que je dois faire Je dois observer que des gens essayent de se réunir autour de projets et font un travail, sont une association. Donc les musulmans devraient se réunir en tant que tels dans des associations ouvertes où il y a des élections, par exemple, où il y a un choix, un apprentissage de la citoyenneté devant euh, des règles que l'on se donne, avec des statuts que l'on respecte et avec un travail qui est effectif sur le terrain. Et là, tous doivent être également unis pour défendre les valeurs qu'ils qu propagent et pour faire vivre la, la, la vie associative, en quelque sorte, musulmane. Et puis, vous avez un troisième niveau qui est celui de l'engagement dans le mouvement islamique. Vous savez qu'il y a des tendances. Il y a ceux qui se disent salafia, ceux qui se disent, par exemple, on est tous des salafites, en fait, parce que c'est le retour aux sources, le terme. À proprement parler, signifie le retour aux sources et tout musulman se réfère aux sources de l'islam, le Coran, la Sunna et les premières générations des croyants qui étaient pour nous des modèles. Es Salaf, d'où le mot Salafiyya ». Mais il y en a qui prennent ce terme pour caractériser une façon de comprendre l'islam. Vous avez le mouvement des Frères musulmans, vous avez le tablir, vous avez d'autres mouvements qui existent bel et bien, qui sont sur le travail. Il y a des gens qui s'engagent davantage et qui entrent dans une structure pour aller encore un peu plus loin dans leur formation. Et cela, c'est une possibilité qui est donnée. Donc vous avez ces trois niveaux. L'engagement qui est ouvert avec l'ensemble de la communauté, un cadre associatif qui est un peu plus restreint dans la région où je me trouve, et puis un engagement dans le mouvement islamique qui est plus profond dans le sens de la formation au sein du groupe. Et chacun d'entre nous devrait considérer que ces espaces de travail sont complémentaires. On est trop encore aujourd'hui dans l'idée qu'il faut exclure l'autre. Si je travaille de cette façon, eh bien, je ne peux pas considérer ce que fait l'autre. Mais non, tout le monde occupe la place qu'il peut occuper selon ses disponibilités, ses compétences. Telle personne ne pourra pas faire autre chose que de participer à un effort collectif général de temps à autre, parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Telle personne a une vocation à s'engager dans un cadre associatif et à mener un groupe, en être le leader. Et telle personne a des dispositions pour travailler en profondeur dans le sens du mouvement islamique. Il faut que nous nous complétions ainsi dans ce cadre-là. Également, dans la troisième, le, ce qui concerne le troisième point, il y a l'ouverture sur les non-musulmans. C'est-à-dire que nous sommes, nous, une communauté qui transmet un message et là aussi c'est une priorité d'expliquer de, ce qu'est la réalité de l'islam de nous poser la question de savoir dans quelle mesure nous pouvons transmettre ce message et surtout quels sont les moyens que nous nous donnons par rapport à des gens qui connaissent rien de l'islam pour montrer que c'est un message de fraternité d'amour vis à vis des musulmans et vis à vis des non musulmans que le message de l'islam est un message qui est extrêmement beau et donc il faut s'engager dans ce sens-là, il faut travailler à diffuser le message de l'islam. Comment Il y a beaucoup de façons de faire. Vous savez, on dit souvent qu'aujourd'hui, l'islamophobie gagne du terrain. On dit aussi que par l'image, on gagne les esprits parce que l'image est à l'émotion, ce que le concept est à la réflexion. L'image, elle est très forte dans les sociétés contemporaines. Et on montre de l'islam une image qui n'est pas bonne et les gens associent à l'islam la violence les drames l'humiliation les difficultés le désordre le sang euh, le djihad djihadisme on utilise des termes qu'on ne connaît pas euh, de façon qui n'est tout à fait inacceptable et ce qui est important c'est qu'on a des images et les gens regardent euh, à la télévision sur internet tout ce qui est donné qui était extrêmement négatif et ils sont dans le registre de l'émotion. Cela signifie que les peuples sont ainsi manipulés par les médias. À cela, nous répondons par des discours. Comme par exemple le discours que je vous fais maintenant, qu'est-ce que je fais Il n'y a pas d'image. J'utilise des concepts, une réflexion. Vous vous rendez compte que ça demande un effort qui est beaucoup plus important et que cela ne peut toucher qu'une minorité parmi les gens qui n'ont pas le temps d'écouter ces discours. Donc si on regarde, le combat semble être perdu. On a ces télévisions qui travaillent jour et nuit, l'information qui travaille jour et nuit, qui est orientée contre les musulmans, la presse également, tout le monde pratiquement s'y met contre les musulmans, l'islamophobie gagne du terrain, et nous, nous avons une pensée, une connaissance de l'islam qui est complètement à l'opposé de cette idée que l'on s'en fait, mais il est difficile de l'exprimer, de le transmettre et de le faire connaître. Par rapport à cela, il y a une échappatoire, une issue. Elle réside dans le lien avec les humains, dans la communication avec les humains. J'ai des voisins qui ne sont pas musulmans. J'ai un collègue qui n'est pas musulman. J'ai un entourage qui n'est pas musulman. Et quand il voit ce musulman se lever, par exemple, lui qui va promener son chien à 5h du matin, et puis voit que le musulman revient de la mosquée, le salue, lui sourit. Et revient, ben, il réfléchit, il voit qu'il y a autre chose dans cette foi islamique. Quand il voit le musulman respecter son voisin et lui donner un cadeau, ou lui faire un geste euh, qui exprime justement une, un humanisme, ou une humanité profonde, il change complètement d'opinion. Et il se dit, ce que l'on me dit n'est qu'un mensonge, parce que le lien humain est plus fort que tout le reste. Donc nous devons nous, nous poser la question de savoir dans quelle mesure, nous devons nous engager à ce niveau-là dans des liens qui sont fraternels avec les non-musulmans pour leur faire connaître les principes de l'islam. Donc voilà, je ne veux pas être trop long aujourd'hui parce qu'on parle de priorité et en fait on a défini trois choses qui sont fondamentales. La première, c'est au niveau de la spiritualité, le lien avec Dieu et le lien avec nos frères et renforcer ces liens. Deuxièmement, au niveau de la formation, il faut changer d'attitude, il faut revenir à nos sources, il faut reprendre le goût de l'étude, le Coran, la Sunna, les Hadiths et également le faire une formation, mais également la culture islamique en général. Et troisièmement, l'engagement dans la société pour amener les musulmans à s'unir et puis amener les musulmans qui ne sont pas dans la pratique à pratiquer et l'engagement vis-à-vis des non-musulmans dans le sens de l'ouverture et de la transparence. Pour transmettre les vérités de l'islam qui sont en méconnues. Voilà wa jazakumullah khairan. Wa alhamdulillah rabbil alamin. Wa wassalam salam ala ashraf al murseedin.